Alléluia. Amen. Nous disons encore une fois merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous a encore fait grâce d'être compté parmi les vivants. Que son nom soit loué. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de nos téléspectateurs. Et nous leur disons merci pour le temps qu'ils vont nous accorder encore pour nous suivre dans la parole de Dieu. Comme d'habitude, nous sommes encore à l'émission de Savons-nous le prix d'une âme? Et l'âme coûte cher à Dieu. Et nous vont là à se regarder le aussi les mots que nous coumets. Et notre émission, c'est l'important. L'important dans cette émission, c'est le salut des âmes. Et tout métier na wonaya, yenye nous vont faire des quoi bon. Après avoir sauvé, il faut continuer à sauver encore. Nimié de amolaiga quoi dibo, iba ni dzinambinaga yediaga de ameo. Oui, nous allons en prier pour confier ce temps entre les mains de Dieu. Papa, trois fois saint, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous voici encore entre tes saintes mains. Nul ne peut interpréter ta parole sans ton esprit. Donc, nous invitons encore le Saint-Esprit, toujours dans sa fidélité, de nous assister encore une fois de bon. La séance est en tes saintes mains. Sois avec nous. L'interprète, nous deux, nous sommes en tes saintes mains. Que ta volonté, Seigneur, s'accomplisse. Et que cette parole, Seigneur, sauve une âme actuellement. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire notre texte de base dans Luc 15, à partir du 11e verset jusqu'au 20e verset. Bien, les poupées qui disent bien notre dole, Luc a pas gagné et a eu à ton tout poupée lui de qui va aider Blaviadi. Nous lisons d'abord en français. Bien, les français demeurent. Parole de l'enfant, parabole de l'enfant prodigue. Il dit encore. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, qui, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir, Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Yaklen le lukape agbalen et ta wi aton
pipi wi de ke va ide blave afima tanya si aglobe lododo kude vibubulanti eye wo gblo bena nutu vi evele amiadesi eye wo dome de vitok blona fofo abena fofo tonu wo fe akpa sinye tonyela nam eye wo manu wo me nawo eye medem keke gedi adeke o nutu vi de vitola fote efe nuwo kata eye wufu hei anyigma jizi adedi eye afima wogble efe nuwo ple agbe bada bada nono wiku yene ke esi wogble wokata vola do wame sisi ande va anyigma makata di eye hiyan de asi etutume eye woyi da to edo kwid le anyigba mafe dume toa denu eye wodwe de efe abome be wanyi hao eye wodibe ya to akanyi si hao dunala ade yefe dome ke amyade kemene o ke esi woyi edo kwimela eglobena fufu nyefe agbate dowo lawo neni epo abolo sogbo kenye la mele totrom le dowa meta machitre eye mai fufu nyegbo eye ma gbro ne bena fufu me wonu fon de difonu plenti wo nyemega jebe na yombe view o wom abe dola wo do meto de ka ene lupe blave esi wo titre va fofo agbo ke edasi ke esi wo le mo divin gbonala fofo apo e eye wo eye efe don metro de enu eye wo fuju daje efe koji eye wo dudonu ne amen. Amen. La dernière partie du verset 20, je ne l'avais pas lu. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Mm. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Mm. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit loué et qu'il bénisse sa parole ce matin. Mm. Reviens à ton père. C'est notre thème de méditation à cette heure-ci. Reviens à ton père. Il y a une chanson qui dit « Reviens à ton père, enfant égaré. Dis-lui ta misère. Dis-lui, j'ai péché. Toujours il pardonne. À qui se repent. Bientôt l'heure va sonner. Viens, mon enfant. Alléluia. Amen. Reviens à ton père. Reviens. Si on dit à quelqu'un de revenir, c'est que la personne est en train d'aller quelque part, il a pris un chemin, il va vers un lieu. Il avance vers une direction. Et on dit reviens. Si on dit de revenir, c'est que la personne doit faire un demi-tour. Il doit revenir vers le derrière. Il doit faire dos à sa direction où il allait. Il doit revenir maintenant.
Donc, on nous dit de revenir à notre Père. Si nous nous référons au verset, au texte que nous venons de lire, nous voyons la parabole d'un enfant prodigue, d'un fils prodigue dans la Bible. Jésus donna une parabole à ses disciples. Pour leur montrer l'objectif ou bien le cœur de Dieu envers l'homme perdu. Comment le cœur de Dieu se sent quand envers l'homme et le pécheur? Il nous dit qu'un homme avait deux enfants. Et le plus jeune vient matin chez son papa. Pour lui dire que papa, donne-moi mes richesses et mes héritages. Nous sommes deux enfants pour toi. Donc partage-nous tes biens et moi je vais prendre pour moi. Mais normalement, du vivant du papa, on ne partage pas. On peut faire un testament déposé. Mais le testament commence à parler après la mort du papa. Mais l'enfant est venu, il a dit de partager les biens, il a pris pour lui, il est parti à un pays lointain. Et la Bible nous dit que quand il était parti, il s'est mis dans la vie de dépôt et bauche, plaisir, et il a dilapidé les biens qu'il avait amenés jusqu'à ce que les biens sont finis. Et la Bible nous dit que quand il était parti, il s'est mis dans la vie de dépôt et bauche, plaisir, et il a dilapidé les biens qu'il avait amenés. Après avoir dissipé tout, maintenant, il y a eu une grande famine qui était sortie dans la ville. Et il a commencé à galérer. Donc, il est parti voir un homme de la ville. Et il a dit, on lui a donné seul le travail de surveiller les porcs. Tout juste pour trouver à manger. Et la Bible nous dit que dans ce travail, il arrivait qu'il cherchait même la nourriture qu'on lui donnait pour donner aux porcs. Mais il ne trouvait pas. Un matin, il s'est levé, il est rentré en lui. Quelle vie. Mais dans la maison de mon papa, il y a plusieurs mercenaires qui mangent à leur faim. Et ici, moi, je cherche même la nourriture des porcs, je ne trouve pas. Je vais rentrer chez moi. Je vais aller supplier mon papa. Je ne suis même plus digne qu'il m'appelle fils. Mais il a qu'à me compter seulement parmi ses serviteurs. Parce qu'il a vu que les serviteurs même là étaient à l'aise, comme un fils, plus qu'un fils égaré même. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que quand il a réfléchi, il est rentré en lui-même, il a pris la voie pour rentrer chez son papa. Alléluia. Amen. Est-ce que le Jésus veut nous faire savoir, veut nous faire comprendre par là? Oui, le fils prodigue, l'enfant égaré.
Devi boubou, devi maïke boua. Cet enfant, comme le savon, cet enfant représente, il fait illustration d'un homme pécheur, perdu, qui a quitté, qui est loin de son Dieu. Devi boubou, y a la wa théâtre sobakpele, a la théâtre doli. Nous voulons l'aider à m'aider que boule mon peu moins dit, wa théâtre sobakpele. Oui, il faut voir comment il était à l'aise. Il était dans le confort, dans la maison de son papa. De vie à la, et que le toba peut me la, et que povovo, et que nous sommes souci. Mais quand il est sorti de cette maison, voyez que vous doulez toba peut me dire. Il croyait trouver le bonheur. Il croyait dans la vie de plaisir que lui-même a pensé. Il croyait trouver, aller loin dans ça. Mais les choses ne l'ont pas dessiné, ne se sont pas dessinées comme lui l'avait pensé. Oui, c'est la même chose. Dieu nous a créés. Si nous nous référons toujours à la création, à nos patriarches, à Adam et Ève. Dieu les a mis dans le confort, il les a donné l'autorité dans le jardin d'Eden. Ils avaient tout. Mais voulant encore gagner plus, voulant aller loin davantage, plus que ce que Dieu leur a donné, ils ont perdu le confort. Et il avait eu maintenant la rupture de la relation qui existait entre eux et Dieu. Ils ont perdu leur confort, les bénéfices, les privilèges qu'ils avaient dans le jardin d'Eden. Oui, c'est la même chose avec nous. Ça nous suit aujourd'hui. Nous sommes tombés dans le péché. Toute l'humanité est sortie de la présence de Dieu. Jésus s'est donné. Donc aujourd'hui, la Bible nous fait savoir que une fois que nous ne sommes pas convertis, nous ne sommes pas venus auprès de Dieu, nous ressemblons à ce fils perdu. Toi qui ne connais pas encore Jésus, tu ressembles au fils perdu là, qui a quitté les conforts de son papa. Oui, avec Dieu, Dieu nous a donné un privilège. Nous avons, si nous sommes avec Dieu, nous bénéficions de la présence de Dieu. Nous avons la vie éternelle. Nous avons le salut. Donc, si le spirituel est bien, ça reflète sur le physique. Si notre âme est en relation dans la présence de Dieu, si nous sommes dans la maison de notre papa, il nous entoure de toute sécurité. Donc l'enfant perdu, quand il était dans la maison de son papa, il avait tout à sa disposition. Il avait des serviteurs qui le servaient. Mais quand il a quitté, il a voulu faire mener une vie de plaisir, une vie de débauche. Ceci l'a conduit à se séparer de son père. Ça l'a conduit à se séparer de des privilèges qu'il avait dans la maison de son papa. Étant enfant du riche, loin de son père maintenant, il est devenu maintenant serviteur. Au lieu qu'on le servait, maintenant lui il est devenu serviteur. Et ce n'est pas quel type de servitude. Lui il servait maintenant les porcs. Mon frère, ma soeur,
toi qui ne connais pas encore Jésus, je te fais savoir que tu ressembles à cet homme, à ce fils perdu. La vie de péché, le plaisir de ce monde, la vie de débauche, la poursuite des richesses de ce monde. Ton objectif, c'est chercher le monde. Donc ces objectifs te font séparer de la de ton père. Le fait de chercher les plaisirs de ce monde. Le fait de continuer toujours dans le péché. Prouve que tu es loin de Dieu. Tu es loin de celui qui t'a créé. Tu es loin de ton père spirituel. Et cette vie fait que tu manques, tu es coupé de tes privilèges. Tu es privé de tes droits. Oui. Tu es devenu maintenant servitude. Tu es sous la servitude du péché. Comme le fils prodigue. Au lieu qu'on le serre, c'est lui qui sert maintenant. Maintenant, tu es sous la servitude du péché. Et ton salut, tu es privé de ton salut. Tu es privé de la joie spirituelle. Cette joie spirituelle reflète maintenant ton physique. Tu as perdu aussi physiquement. Tu as perdu la sécurité spirituelle. Tu es entravé par les esprits qui te dominent, qui te menacent, qui influencent ton âme, qui influencent ton physique aussi, qui influence ta santé, qui influence ta finance, parce que tu es loin de ta sécurité. Celui qui devait te couvrir, celui qui devait te protéger, tu es loin de lui. Oui. Il faut que tu fasses un pas à cette heure. Il faut que tu fasses un pas. Il faut que tu commences à faire une réflexion. Comment du jour au lendemain, tu ne fais qu'aller dans le gouffre de pire en pire. Ça ne va pas. Oui, le chagrin a rempli ton âme. Le chagrin, l'amertume a rempli ton âme. Et tu n'as plus la joie. Parce que tu as quitté. Tu as quitté la maison. Tu as quitté ton père. Reviens. Reviens. Ses bras sont ouverts. Il attend. Il attend pour te recevoir. Loin de ton père, tu n'es pas en sécurité. Et nous tous, nous connaissons que dans l'enfance, quand nous sommes petits. Au dehors, si nous provoquons quelqu'un et on veut nous taper, nous courons rapidement pour revenir à la maison, pour revenir auprès de nos parents. Et si nous arrivons, nous venons nous asseoir auprès de nos parents et nous regardons celui qui nous poursuit. Parce que nous savons que là où nous sommes, il ne peut plus venir là-bas pour nous taper. Et des fois même on fait des grimaces envers lui pour l'énerver encore. Oui, c'est comme ça. Oui. Il faut revenir. Satan te menace. Il te trimballe. Il influence ta vie. Parce que tu n'es pas auprès de Dieu. Reviens dans la sécurité de Dieu. Quand le fils prodigue a commencé à souffrir, c'est aller au comble maintenant et il ne trouve même plus à manger. Il a cherché, la Bible dit qu'il a désiré la nourriture des porcs mais n'a même pas trouvé. Oh, quel état!
Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Jusqu'à chercher nourriture des porcs. Quand Eva le dit, un haut doudou. Fils de riche. Amédé Kenya gâteau qui sont en train de jusqu'à cette étape. Va dire qu'il y a un peu de temps. Mais heureusement pour lui. Va te bénir ton lien. La Bible dit. On coque à globé. Il est rentré en lui. Et il est documé. Il est rentré en lui. Et il est documé. Et il a dit. Et au globé. Non. Ah oh. Je dois revenir. Je dois chercher mon père. Je dois faire demi-tour. Oui. Mon frère, ma soeur. Toi qui nous écoutes à l'heure là. Toi qui nous écoutes. Fais demi-tour maintenant. Fais une réflexion maintenant. Comme le fils prodigue là. Rentre en toi. Rentre en toi. Commence à faire des réflexions. Commence à faire une analyse autocritique. Oui, commence à faire une analyse sur toi-même. Depuis un temps, là où tu as commencé, commence à évoluer. Sans Dieu, nous ne pouvons pas avoir une vie équilibrée dans ce monde. Sans Dieu, notre vie n'aura pas de sens. C'est avec Dieu que nous pouvons, alors notre vie pourra avoir de sens. Oui, reviens en toi maintenant. Et il faut savoir que seul. Non, toi seul là, tu ne peux pas arriver. Tu ne peux rien. Loin de ton père. Tu ne peux rien. Reviens à Dieu. Tu peux compter sur ta richesse. Peut-être aujourd'hui ça marche. Pour toi, ton commerce marche. Ton entreprise marche. Ton boulot marche. Et tu crois que c'est ça? Non, ton âme n'est pas en sécurité. Un jour, ton créateur peut parler. L'argent sur lequel tu comptes peut finir. Le fils là, il avait compté sur les richesses qu'il a apportées. Oui, quand il a ramassé, il croit que non, ça va terminer sa vie, il peut terminer sa vie avec ça. Mais les richesses l'ont abandonné. Les richesses l'ont quitté. Et il est resté seul. Un jour, non, l'argent va finir. Ou bien à la tombe, l'argent n'ira pas avec toi. Après ta mort, tu iras rendre compte de ton âme. Non, tu comptes sur une autorité. Tu comptes sur ta position. Mais ça ne peut pas s'amener loin. Sans Dieu, ta vie n'est pas en sécurité. La vie n'a pas de sens. Cherche ton père, le créateur. Celui qui t'a créé, celui qui tient ta destinée, reviens vers lui. Reviens vers lui. La Bible nous dit quand le fils est revenu, quand il est de loin, quand le papa l'a vu, ému de compassion, il a vu l'état dans lequel son fils se trouve. La Bible dit qu'il a couru. Il s'est jeté sur son cou. Et il a baisé. Oh, Dieu t'attend pour te baiser. Dieu est ému de compassion vers toi. La souffrance que tu es en train d'endurer, Dieu le voit. Il veut seulement que tu décides de revenir. La manière dont Satan te trimballe, il est en train de le voir. Il veut seulement que tu reviennes. Que tu prennes une décision. Il va t'accepter dans ses bras. Il va te baiser. Reviens maintenant. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien. La Bible dit, quand il s'est jeté, il a dit, tu es le veau, le bœuf. Mon fils perdu est revenu. Il
il est encore rentré dans les droits dans la maison. Oui, tu as encore tes privilèges dans la maison. Tu as tes droits. Reviens, Dieu va te remettre sur tes, dans tes droits. Dieu va te remettre dans tes droits. Reviens seulement. Reviens seulement. Dieu va te remettre dans tes droits. Et il a fêté pour le fils prodigue. Il a fêté pour lui. Il a organisé une fête. Il a organisé une fête. Oui, si les âmes reviennent, il a eu une grande joie dans les cieux. Il y a une grande joie dans les cieux. Les anges t'attendent maintenant. Pour que tu reviennes. Afin qu'ils puissent organiser une fête. Pour te remettre dans tes droits. Pour te donner encore ton salut. Pour te remettre, pour remettre ton âme dans le paradis. Dans le confort. Pour te remettre encore le Saint-Esprit. Et quand tu auras cet esprit, tu auras l'esprit de Dieu. Tu deviendras le fils de Dieu. Et le fils de Dieu a beaucoup de privilèges. L'esprit la combattra pour toi. L'esprit là te mettra à l'aise. L'esprit la vaincra pour toi. Oui. Reviens. 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 Dieu t'attend. Reviens. Rentre en toi maintenant. Le fils là, il est rentré en lui. Quand il a tourné les méninges, il a pris la bonne décision. Il n'a pas pris seulement la décision. Mais il a marché selon la décision. Prends une bonne décision maintenant. Marche selon la décision. Oui, lève-toi maintenant. Sors du couvent là. Sors du couvent. Sors du couvent. Sors de l'adoration du fétichisme. Oui, Dieu va te sauver. Dieu va arranger ta situation. Dieu va te donner une nouvelle histoire. Dieu va te sauver. Oui. Il va te laver. Il va te laver. Oui. Quand le grand frère qui était dans la maison, il est revenu. Il est parti au champ quand son frère était revenu. Et du retour du champ, il entendait les bruits de la fête de la maison. Il me dit, on ne sait rien, on n'a rien dit avec papa, on n'a rien organisé avant mon départ. Et là, ça fait 8 gants, si on l'a permis. Et il faut bien occuper. Mais qu'est-ce qui se passe dans la maison? Et il a demandé, il a questionné un serviteur. Qu'est-ce qui se passe? Et le serviteur lui a répondu. Ton frère qui a quitté depuis longtemps. Ton frère qui s'est perdu. Il est revenu. Il est revenu. Ton papa est content. Et il a organisé une fête pour lui. Oh, alléluia. Amen. Oh, à la place, hey, quand il a appris ça, il s'est énervé. Comment moi je serai dans la maison de Dieu en train de travailler avec papa? Il n'a pas organisé une fête pour moi. Si nous voyons dans le verset 28, nous allons voir comment il s'est réagi. Il s'est énervé. Et le père réagit. Non, ton frère t'es perdu. Il était perdu. Mais il est revenu. Nous devons être contents. Oui, l'attitude de ce frère, grand frère. Ça ressemble à nous les chrétiens. Toi qui me suis. Et tu as reçu Jésus. Tu es chrétien. Tu te contentes de ton salut.
et tu ne te soucies pas des âmes perdues. Oui, c'est nous l'illustration de ce grand frère. Oui. C'est le chrétien qui se dit chrétien, qui est religieux, qui va à l'église, qui cherche son intérêt et qui ne se soucie pas de l'intérêt de Dieu, l'intérêt de Dieu, l'objectif de Dieu, la mission de Dieu, c'est le salut des âmes, c'est le salut des âmes. Donc si on parle du salut des âmes, ça ne lui dit rien. La perte des âmes, ça ne lui dit rien. C'est le chrétien. C'est ça qui est le grand frère là. Quand son père était dans le vagabondage, ça ne lui dit rien. Il ne réfléchit même pas. Si mon frère était en sécurité, ce qu'il a fait pour partir là, c'est même pas bien. Comment tu as fait pour qu'il revienne à la raison? Non, il ne se soucie pas de ces choses. Mais voilà. Le papa se souciait. Et toi là, et non, t'as mes bounesses avec Dieu. Toi, tu es avec Dieu. Mais Dieu se soucie des âmes qui ne sont pas encore dans la bergerie. Les âmes qui sont encore sous l'influence du diable. Des âmes qui traînent encore sous le plaisir de ce monde. Les âmes qui sont encore dans les débauches. Les âmes qui sont encore dans les tueries de leurs prochains. La destruction de leurs prochains. Dieu se soucie de ces gens-là. Il faut que nous, en tant que grands frères, là, nous changeons de mentalité pour associer notre mentalité à la mission au cœur de Dieu. Nous mettre à genoux, prier pour ces âmes, financer l'évangélisation, aller à l'évangélisation pour sauver les âmes. Donc, en tant que grand frère, changeons aussi de mentalité. Nous devons savoir que le retour des âmes est important. Et s'ils reviennent dans la maison, il faut que nous nous prenions soin d'eux. Des gens vont à l'église. Je vais, j'écoute la parole de Dieu, je sors. Je n'ai à traiter avec personne. Non, je suis chrétien, point craint. Mon ami, ça ne suffit pas. Si tes intentions sont comme ça, tu es religieux. Tu dois rentrer dans la mission de Dieu. Tu dois chercher, ton salut doit sauver aussi quelqu'un. Tu dois reconforter quelqu'un aussi qui est déjà dans l'église. Le salut de quelqu'un doit te préoccuper aussi. Oui, tu dois t'associer aux gens pour soutenir la mission, pour pousser quelqu'un aussi dans sa foi. On ne t'a pas appelé pour rester singleton. Il faut quitter l'intérêt, l'individualisme, ton propre intérêt, il faut le quitter. Et chercher l'intérêt, le salut des gens. Oui. C'est pour cela que Dieu nous a appelés. Si nous sommes encore là, dans notre individualisme, à l'église, notre intérêt, je vais à l'église. Non, tu es religieux, tu n'es pas encore chrétien. Rien ne m'est égaré, rien ne me concerne à l'église là-bas. Si je vais, j'écoute la parole de Dieu là. On dit amen, je suis.
sort, non, ce n'est pas une vie chrétienne. Il faut que ton église te préoccupe, l'avancement spirituel et sur tous les plans te préoccupe. Il faut que tu aies le fardeau des âmes perdues et le fardeau de ton église. Et par là, tu auras aussi ton fardeau. Dieu va s'en charger de ton fardeau aussi. Et par là, il va te bénir aussi. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, toi qui es enfant prodigue, loin de ton père, la Bible t'interpelle à cette heure-ci. Reviens. Dieu veut te rétablir dans tes droits. Dieu veut te rétablir dans le jardin. Dieu veut te donner encore ton salut. Il veut te donner la sécurité. Il veut te mettre dans tes droits. Spirituellement. Financièrement. Physiquement. Oui, il veut te rétablir. Oui. Mm. Fais un bon choix. Prends une décision. Nous qui sommes les chrétiens, le grand frère, changeons de mentalité. Ayons le fardeau des âmes. Oui. Investissons-nous dans le fardeau, dans le salut des âmes. Investissons-nous dans la maturité de l'Église. On ne nous a pas sauvés pour détruire. On nous a sauvés pour construire. Pour sauver aussi. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse nos entendements. Et qu'il nous bénisse par cette parole. Oui, nous allons prier. Il faut prier le Seigneur. Maou nous sommes katato mi aide akpena o. Non on fait maou ou ike et vu au bout boula ou peut nous vena o. Ou peut nous lever vena o. Et il say minute saliniti. Kabo fosa kabo fo. Ada kabo fosa ada kabo fo la ne buna tamena o. Allez quoi toi bova. Après toi les yamela o se omia. Toda si oni na mi be mi akho mi anovio mi adi mi anovio mi anovio pe nyu ne ni pe na mi ne mi pe mi pe ta ta do ju gba to o ira mi be mi atun pe nu mi si o ne tun pe yo to de o do mi pe na ne ni be na ni pomi to di fola e pe nu ajo ti na o e na to ya ra gede o to di fona mi a pe to ape na o e la be gede oni do iko ni wole iya mi to ni asese mi ape le yesu be komi to gbedale amen 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 okay nous disons merci à la RTJVA. Niele akpedemna RTJVA pe nou pon moi. Aux techniciens qui n'aménagent aucun effort pour nous aider dans les messages. Les dollars que la citron le monti bena mon fini la wa tia demia bo. Que Dieu les bénisse. Ma ou nira ou. Et nous disons merci au comité de Sofomahe. Et mi l'akpedemna Sofomahe pe. Qui ne cesse d'investir pour l'émission. Que Dieu bénisse le comité et toute l'église de Zopomahe. Que Dieu les bénisse. Si tu veux adorer avec nous, nous adorons le dimanche de 6h à 9h30. Mercredi matin, étude biblique 4h30 à 6h. Vendredi, prière d'intercession de 18h30 à 20h.
Si tu es dans les environs de Zophomarie, tu n'es pas encore au sous les toits de ton père. Nous t'invitons à venir nous rejoindre dans la maison de ton père. Amen. Et à ta nini bene les marques pin toi mais le tepe ma voilà mais pop pop faut pas payer que mes nanoa mais les pipe ou non mais les yo non bena na gris marque na trova et toi pas payer. L'église se trouve en face de l'école publique primaire de Zophomarie. Et il ramène au pied là et panko Zophomarie fait comme des scoula public à et panko. Soyez bénis. Mon ami. Shalom. Shalom. Shalom.